Venez donc voir. Oh, ça y est, tu l'as trouvé. Oh putain, t'es trop beau. N'est-elle pas magnifique? Voilà, si tu veux te sentir à l'aise, j'ai mis de l'herbe. Bah parfait, écoute, de l'herbe, moi tu sais, hein. Ah oui, t'as mis de l'herbe, oui, c'est pour que je fasse, pardon, j'avais pas compris. Oui, c'est pour que je fasse mon... Oui, mon... bah j'aurais pu faire une vanne, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin d'une, tu vois, là maintenant? Non, non, pas là, tout de suite. Alors par contre, est-ce que tu veux qu'on fasse le POI et après je commence à faire la base anti-horde? Ouais, pourquoi pas. Sur ta base anti-horde, est-ce que je vais avoir un endroit où je vais pouvoir les taper au cac? Oui, je vais faire exprès de faire deux cordes à linge et pas une seule. D'accord, ok. Bon, écoute, vous allez voir la base corde à linge de Franck. Oh bah, elle est rigolote surtout, mais c'est dommage qu'on ait pas un marteau robotique, c'est encore plus drôle. La suite va vous étonner. Non, mais ne tease pas comme ça. Non. Oui, vraiment, non, non. Ouais, non, j'insiste. Vraiment, ouais, non, évite. J'ai vu. Oh, putain, j'ai failli te frapper, t'es malade. Bah, moi, je suis en train de bosser en bas pendant que t'es en train de glander là-haut. Et je suis pas en train de glander, je suis. Tiens, y a des bruits de verre. Tu as mangé un peu? Non, non, justement, c'est pour ça que c'est par terre. C'est précisément parce que j'ai pas mangé. Ah, d'accord. Souviens-toi de ce que j'ai activé, Franck. Parce que là, ça, si ça part, ça part en dégâts, tu vois. Et pourquoi tu viendras me taper, je veux dire, en soi? Je sais pas, un réflexe, une espèce de réflexe, tu sais. L'accident bête, hein. Je crois que notre quête est pas très loin non plus, hein. Non, elle est pas méga loin, non, non, ça c'est clair que... Bah, il y en a une juste en face, là. Ici. Ah bah j'ai plus bobo à la patoune. Bah nickel, je vais plus t'entendre gueuler. Alors déjà je ne gueule pas, j'exprime parfois un mécontentement. Tu me dis quand t'as fini de fouiller. Hop, super. Tu peux la refouiller une deuxième fois. Oh yes. On est des génies, hein. Génie complètement incompris, mais oui. Nouvelle Bonjour. Base ou avant-poste? Bon pour l'instant c'est base, hein. Mais comment t'es rentré toi? Bah il y a une porte. Ah, il y a deux portes dont une fermée. Oui, bon bah j'en ai pris une comme ça au pif. Ok. Oh, regarde. Oh oui, tu vas pouvoir Attends, chanter. Mais non, je vais vous raconter, c'est un rabbin, un prêtre et un... Non. Bonjour. Ah, oh, attention. C'est au-dessus ou c'est en dessous? Mais non, c'est en dessous, c'est là. Oh, d'accord, mais non, mais j'étais en train de filouter pour monter sur le toit. Non, mais c'est quoi cette vieille panique à bord? Sinon, tu laisses passer le copain aussi? Vas-y, Ah, on a un visiteur extérieur. Monsieur! Ah, il est venu d'ailleurs? Ouais, ouais. Oh, attends, ouais, j'y vais, je te laisse commencer. N'oublie pas qu'il nous faut de la colle pour la forge. Alors, je te propose de looter après. Oui. Oula. Putain, j'ai eu peur. Attends, parce que j'ai rencontré Germaine. Vas-y, ouais. Oh putain, il est cool le bar, hein. T'as vu ça? Moi j'aime beaucoup, mec. Oh, il est bien, hein. Bonjour. Ça tombe d'où? Oh putain. Ah, j'ai cru que c'était un biker, j'ai eu peur pendant 10 secondes. Monsieur, calmez-vous. Je viens de trouver un copain, hein. je m'occupe de lui. Ouais, j'entends, mais j'ai cru qu'il était près de moi, mais en fait pas du tout, il était près de toi. Non, il est je l'ai éclaté. Poliment, d'ailleurs, je lui ai fumé sa gueule. Je me doute bien, la politesse c'est la clé. Hein. Alors, est-ce qu'on a un chien, une saloperie? Ah bah non. Oh bah. Eh. La surprise, quoi. Bah, oh, il y a une échelle. Je pense qu'il y a peut-être un piaf. Je t'attends. Ah, attends, c'est pas un piaf. Oh, il y a du monde, il y a du monde. Attends, j'approche avec mes flèches. Attends, tu veux pas que je recule? Voilà. Prends ton temps, hein, moi je suis pas... ouais, je suis pas pressé, tu vois. Ils sont où? Ah, ils sont au-dessus, les petits bâtards, je pense. Attends. Tu crois? Ouais, je check, mais... Il y en a un là-bas, je crois. Et qu'est-ce qu'on fait? Attends. Ils sont cachés dans les... Ils sont cachés dans le truc vert au milieu, je pense. Voilà. Oui, non, mais je suis d'accord, ils sont dans le truc. Il y a un piaf là-bas, je le vois. Où ça? Là-bas. Oh, belle. Bon, il en reste deux là-dedans. Bon, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, je les fais sortir. Bon, bah, j'arrive. C'est bon. On a peut-être été un peu vénère, t'es non pas, t'es pas obligé de les démembrer. Hein. Ah, t'es mort, toi. Ok. Okay. Bon, on prend le loot. Ouais, on va prendre le loot. Je te laisse checker ce qu'il y a. Ouais, bah on va récupérer surtout beaucoup de trucs, hein.
Ouais, y a des trucs sympas en vrai, ça va. Qu'est-ce que c'est ça? Un gant de mineur. Ah oui, t'as tout looté quoi, même le chamoué quoi. Bah tiens, regarde, tiens pour toi. Ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Ah mais j'ai déjà trouvé des gants. Bloc dommage, je vais le garder parce que ça peut être pas mal quand je farm. Bah oui. Ah oui, ça par contre, ça c'est super ça. Bon, bah écoute, on farm le POI. Ouais. Faudrait qu'on trouve de la colle ou du ruban. Tu sais qu'on n'est pas complètement installé en face, hein. On pourrait s'installer ici. Hein. On peut aussi, oui. Bon, après, si tu veux qu'on change de plan, on change de plan, mais il faut aller rechercher tout le merdier. Ouais, non, mais ça, c'est pas gênant, ça. Eh ben, allez, let's go. Un bar, en plus, c'est propre, hein. Honnêtement. Eh ben, allez. Allez, viens, on va chercher le bordel. Bah, attends, on fait les quêtes et on s'occupera du bordel en fin de journée, tu vois, pour nous occuper... Bien sûr. Bah, comme ça, toi, tu peux commencer à bosser sur la base anti-horde et moi, je déménagerai tout le bordel. Oh, j'ai trouvé de l'alcool. Bah, on est dans un bar, hein. Oui, ok. D'habitude, on peut pas le prendre. Là, on peut. Je nous ai installé ce qu'il faut. Regarde, et tu pourrais même installer ta base anti-horde sur des petits trucs en tôle à côté, là. Ah oui, mais non, mais ça, j'y pensais, sur le côté. Et en plus, on a un accès devant le parking, donc au contraire, j'ai même de la distance. Le Bobcat, ouais, stylé comme nom. Hein. La quête est faite, on fait la quête qui est juste à côté. On en a une qui est pas loin, histoire de... Est-ce que tu aurais de l'eau? Oui, à tout hasard. Je peux te trouver ça. À moins que je sois obligé de me taper de la soupe, mais ça serait débile. Je t'en remercie. Du thé gerbe d'or? Bah ouais. Je cuisine, okay. Moi, monsieur. Ah non, mais et c'était pas une critique. Hein. Oh, y a encore un bar ici, on est vraiment dans le coin des bars. Hein. On est dans la rue de la soif. Hein. Pour la forge, il me faut 3 rubans adhésifs, exactement. Mais je pense que nous les avons. Et si nous les avons pas, nous pouvons les crafter. Let's go. C'est bon? Ouais, c'est lancé. Allez, joue. Oula, il y a l'air d'avoir du monde. Ouais, et je les vois pas. Ah, là derrière. Et de 1. Ok. Allez. Ah, oh le bâtard, il m'en a mis une dans la tête. Ok. Il m'en a collé une dans la tête. Ça va, tu t'en sors, mon Franck? Ah oh, ouais, non, mais inadmissible. Hein. Oh là là, moi je suis choqué. Hein. Non, mais moi je suis choqué. Ça va, tu t'en sors? Mais oui. Elle était chiante, la petite. Hein. Ok. Bon, on loot tout après, non? Oui, ouais, on va looter plus en détail après. Oh! Farmer outfit! Quoi? Ah, super! Fais voir à quoi ça ressemble. C'est bête, je me vois pas. Oh, t'es nice! Franchement, en vrai, c'est classe, ouais, moi, ouais, j'aime bien. Sympa, sympa. Ouais. La petite salopette, ça le fait. Moi, j'aime bien. C'est bon, on a la colle pour le... Vas-y. Ah, Anas bat. Ok, je te laisse faire celui de gauche. Je suis en cours. Parfait. Oh, j'aime bien ce petit bruit de flux. De flux de... Ça veut dire que le boulot est fait. Attends, je le prends parce que ça, on va l'oublier. Je te laisse monter. Tu redescends s'il y a beaucoup de monde. Sinon, tu restes en haut et j'ai essayé de me faire une petite place que je puisse passer. Et ah, que j'essaie. Il y en a un. Ah bah c'est un bûcheron. Ok, je passe sur le côté. Attends, le mieux c'est de virer les chaises déjà. Madame. Ok. Attends, on a la porte sur ta gauche. Ah oui. Ah, vous êtes là, non? Oh, je sais pas, je vais massacrer sa gueule. Je suis dans la cuisine en train de discuter avec l'homme de chantier. L'homme de chantier. Attends, ouais. Attends, on a un truc pour... Ok, on ressort par là. Nickel. Oh, je vois rien, ça m'énerve. Par contre, j'ai pas trop suivi la suite du POI. Oh, on a un safe, là. Ah, attends, j'ai des lockpicks, j'avais pas vu. Ah bah super. Non, non. Tu as des lockpicks, tu y avais pensé. Oui, j'y avais pensé, évidemment. Naturellement. J'ai plus de lockpicks, Franks. J'ai raté. Oh putain. Ah bah super, et en plus, on est dans le noir. Allez, c'est bon. Allez, un truc bien, là. Ouais, un mode de poche, si t'en veux, tu m'en as donné tout à l'heure, mais prends-en pour toi, tiens. Mais j'en ai un. Ah, t'en as déjà un? Nickel. Par contre, tu m'as dit qu'on avait... Ouais, il y a l'étage, mais je sais plus par où je suis passé. Attends, je prends parce qu'il y a peut-être du cuir sur ceux-là.
Et du tissu surtout. Ah mais c'est par là. Bah écoute, je commence à grimper. Hein. Ouais, attends, je prends ma masse pour qu'on ait de la lumière. Vas-y, prends ton temps. C'est pas comme si... Ah bah oui, comme si on voyait pas la putasserie arriver. Ah, j'arrive, attends. Là, ça on va rien. Derrière toi. Attends. Quoi? Ouais, voilà. Va plutôt par là. Bonjour. Ça a popé derrière nous. Je surveille, je te dis s'il faut sortir. Il y a beaucoup de monde derrière nous, Franck. Tu t'en sors? Oui, t'inquiète. Ah! Je l'ai tué. Fais attention. Je vois. Vas-y. Ok. Alors, je te propose, on tape chacun notre tour. Ouais, c'est bon, j'y suis là. Oui, je vois ça. Voilà. Ah, je putain, t'as failli prendre un gros coup de masse dans ta gueule. Qui? Mais je retourne voir un mec avec une hélice sur la tête avec ta tête de con en plus. Je comprends pas. Moi je trouve que c'est très classieux. Bah classieux, je sais pas, mais ça attire les coups quoi. Rabatteur de nuit. Oh oui. Ah tu trouves que j'ai une tête de rabatteur de nuit? Je sais pas, en vrai, je pourrais pas te dire. Oh quel enfer. Putain, on récupère de la merde. On a toujours pas trouvé de varinch, hein, c'est ça? C'est ça. C'est un peu dommage, hein, parce qu'il y a un peu de matos qui nous échappe. Mais on va passer par notre future base et puis aller poser tout le merdier. Oh putain, on est au bar le Bobcat. Oh, c'est trop beau. Ouais. Je vais faire une montée en façade, là, ça va être plus simple. On est jour 5. Je t'avoue que ça serait bien qu'on bouge. C'est toi qui vois. C'est toi qui gère. Bah, c'est toi qui vois. Quand tu veux faire les trucs. Bah, comment ça? Ah, tu veux dire la base entière? Moi, je commencerai bien, mais bon, le problème, c'est que comme je ne maîtrise pas le craft, c'est vrai que ça m'arrangerait, quoi. Tu veux commencer plutôt? Non, mais c'est toi qui dis, hein, tu lides complètement. Hein. Je vais la mettre de ce côté-là. Par contre, poulet, je t'attends, tu viens récupérer aussi le matos? Ouais, ça marche. Oh putain, tout ce qu'on a, c'est fou. Toi, tu vides dans les trucs comme tu veux. On va aller voir le marchand. Ça serait bien que tu poses. Ça m'arrangerait que tu poses la forge juste avant. Je vais chercher le reste. Il reste des trucs là-haut? Oui, il reste 2-3 merdouilles. Je disais, on n'est pas loin de faire un autre collecteur. Ah bah écoute, bonne nouvelle, hein, parce que plus il y a d'eau, plus il y a de thé, plus il y a de thé, moins on a la chiasse. Hein. Ah merde, j'ai oublié de prendre le collecteur, c'est ça que tu disais, non? Tu m'as fait la forge ou pas? Pas encore. Laisse-moi finir de vider ma bike et je te la fais de suite. Est-ce qu'elle va là-dedans? Attends, je regarde. Ouais, tu peux la mettre à l'intérieur, là. Tu penses? Elle sera protégée si jamais il y a des oiseaux qui nous crachent dessus pendant la horde, ça évitera qu'ils pètent la forge. Ouais, enfin, ils vont pas nous cracher dessus, hein. Ben, moi, j'ai confiance, tu vois, genre, vraiment. T'as pas l'air confiant. Ça m'inquiète. Non, c'est... Alors, attention. Je tiens à te rassurer, Franck, et à rassurer tous les gens qui nous regardent. Je suis parfaitement détendu sur le suite du déroulement des opérations. Je pense que la Horde va être un succès tonitruant. Ok, bon, bah on va tous crever. Comme quoi. Dans Scarface, évidemment. Beaucoup de refs cinématographiques en ce moment sur voilà. Le... Je te laisse un peu de bois pour la forge. Ouais. Je vais t'en laisser de quoi l'alimenter, voilà. Et le reste, je vais l'embarquer. Et si tu veux, on peut peut-être rendre la quête, non? Ouais, on va aller rendre la quête, c'est pas mal. Éventuellement, on pourra en rechoper quelques-unes. Et puis, ça de toute façon, on trouvera de quoi s'occuper pendant la nuit. Ouais, moi j'ai de quoi m'occuper, hein. T'inquiète pas. Moi, y a pas de stress. Hein. Parce que là, j'ai pas assez de bois, on est d'accord. Ah, t'as pas assez de bois, là? Non, mais je vais aller le farmer, t'inquiète. Ouais. Parce que là, en termes de bois, il m'avait semblé qu'on était plus ou moins à fond. Hein. Ah ouais, non, toi t'es à fond? Moi je suis à fond là. Ah ouais. Elle est où la petite? On n'a pas la même définition de... Ah putain, il y a du pneu. Attends, je prends une nouvelle quête. Hein. Élimination de zombies. Oh putain. J'en peux plus de ton casque. Hein. Ah, il y en a une au nord. On fait encore des quêtes et après je commence à crafter demain. Ouais, ça me paraît bien. T'as pris un truc au nord, c'est ça? Ouais, mais sont méga loin les quêtes au nord, là. Bah, elles sont toutes loin. Moi, j'ai que du 1,4 km, 1,2 km. Ah ouais, chiant. Moi, j'en ai une à 1,5 km. Ah, il y a l'air d'avoir une autre ville plein nord, en fait, en suivant la route qui est là. J'ai la vague sensation, ce qui me fait penser que ça pue. Oh non, ça pue pas, Franck. Tu vas péter le vélo. Non, je lui ai... Oui, bon, ça va, elle est à 88%, mais ça va... 88%?
Quand tu penses qu'on a fait des roues arrière pour faire les abrutis, on a déjà perdu 2%. Non mais c'est rien. Attends, en même temps ça valait le coup parce que je lui ai fait une roue arrière dans sa gueule. C'était forcément, trop c'est un vélo que je t'ai offert. Alors forcément tu ne le respectes pas. Mais bien sûr que si, j'aime beaucoup ton vélo, je suis très satisfait de celui-ci. D'ailleurs c'est un très bon vélo, je tiens à te préciser, excellent choix. J'ai crevé ? Ah non, d'accord. Comment ça t'a crevé ? Mais non, je faisais un drôle de bruit. Ah mais c'est parce que tu respires. Oui c'est ça. Ouais. Une espèce de respiration un peu rauque. Ouais. Non, c'est parce que comme t'es malade, du coup j'ai envie de t'étouffer en fait. Ouais, c'est ça. Tu as envie de m'enfoncer un coussin sur le visage. Ah, on est d'accord, on y est, c'est bien ça. Oh, regarde, il y a un drapeau américain. Ça... Putain, mais tout est une bonne base en fait. Hein. Mec, si c'est une base, ça veut dire qu'il y a des mines. Oh putain, oui, t'as raison. Alors fais attention quand tu pédales. Ah, mais non, je crois qu'on a lu le bouquin pour être immunisé au décès par mine. Non, toi. Non, tu as lu le bouquin. Bah, toi, tu l'as pas lu. Non. Ah mince, je croyais que mais tu... Mais je vois pas de mine, ceci dit. Bah, c'est peut-être pas un... Tu sais, c'est peut-être pas un truc... voilà. Bon, ça sent les ennuis. Ah, je prends à gauche. Je m'en souviens. Ouais. C'est surprenant que tu aies pris à gauche. C'est pas vraiment ton truc, mais ok. Je me dis qu'ils seront moins... ils seront moins puissants. T'as failli te prendre un coup dans ta gueule, hein. Mais pourquoi ? Je suis derrière. Parce que pourquoi quand je lève la tête, je vois ta tronche avec ton chapeau là, avec ton hélice, et ça me donne qu'une envie, c'est de t'en coller un grand coup dans la gueule. Ah oui, eh ben justement, on va avoir un problème dans quelques secondes. Oh, il a rebondi, t'as vu ? On l'a fait en une bande. C'était très joli d'ailleurs. Oh, tiens. T'as pas entendu ? Oui, je t'ai vu, mec. J'entends du bruit dehors, par contre, là, je vois de la pierre. On prendra à la fin. Ça va, tu t'en sors, mon Franck ? Ouais, je l'ai tué. T'as ouvert des trucs, là ? Non. J'entends crapahuter, non ? Ouais, c'est dehors. Il y en a un dehors qui... Qui gratte, hein, on est d'accord. Ah, bonjour, je vois un point rouge. Ah bah oui. Tu l'as trouvé. Oh, c'était très propre. Ah. Ça grogne fou. C'est bon, c'est derrière. Ah, tu l'as ? Ouais. Merci, madame. Bonjour. Oh oh. Ah bonjour. Oh merde. Attends, j'arrive. Putain, j'ai failli t'en remettre un coup là. Oh oh. Tu viens de me faire mal. Mal comment ? Ben mal souffrance. Tu n'aurais pas un tuyau sur toi par hasard ? Un tuyau ? Si, peut-être. Oui, oh putain, t'as du pot, tiens. Derrière toi. Vas-y, lâche-le, je m'en occupe. Il est derrière toi. Affirmatif. Oh, j'ai trouvé une batterie. Cool. Bon, la batterie, on n'y est pas. Quand est-ce que tu nous fais les véhicules, d'ailleurs, Franck ? Bah, écoute, comme je veux pas non plus aller trop vite, parce que, bah, tu sais comment je suis, hein. Je suis d'une pudeur absolument extraordinaire. Hein. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le mot qui me vient quand je pense à toi, c'est pudeur. On est d'accord que tu es en train de te moquer ? Pas du tout. Alors là... Non, et puis surtout, loot pas les caisses, hein. On sait jamais dans le doute, hein. Tu pourrais passer à côté de... Je suis en train de looter méticuleusement absolument tout. Ah non, mais... peu près. Il y a zéro critique, mec, hein. C'est tout. Il y a zéro critique. On discute, c'est tout. Bienvenue aux nouveaux arrivants, vous allez voir, tout est carré ici. Alors, Frank Lynch, permets-moi de te dire que tu mens peut-être un petit peu sur la marchandise. On a rien oublié, là ? Ah merde. Bah non, c'est verrouillé. Bah ouais, c'est bizarre que ça soit verrouillé ce truc-là. Y a pas un pétouillon saisissoir pour allumer ça ? Je sais pas, on est passé à côté mais d'un... Mais t'as pas pris le truc que je t'ai donné ? Mais si, je l'ai pris. Non ! Mais si, je... Bah non, il était par terre, tu l'as pas pris. Ah bah j'avais pas vu celui-là. Non, moi je cherchais les tuyaux, tu m'as dit je te pose des tuyaux. Oui, j'ai posé les tuyaux et après j'ai posé autre chose. Bon attends, je vais fracasser l'autre et j'arrive. Ah mais on a oublié un zombie ? Bah fais-le, laisse pas comme ça. Ah mais attends, on a fait la quête, on peut faire la suivante, non ? Bah je pense, oui. Attends, je me note sur la carte où il se trouve. 800 mètres. On va où ? 800 mètres, c'est droit devant, là. Tu dois la voir, normalement. Oui, je la vois. La flemme, aïe ! Oh, j'ai mal au mollet, Franck, il faudrait que je fasse une pause. Mais je comprends ma petite douceur céréalière. Oh, qu'est-ce que c'est que ce climat de merde ? Pourquoi on est venu dans ce biome ? Ah oui, parce qu'après, c'est le désert. C'est le désert qui nous intéresse, les gens. Bon, le désert, c'est cool, hein. Ouais, mais tant qu'on sait pas crafter des trucs de anti-chaleur ou la neige, on n'est pas encore complètement décidé. Oh, Franck. Ah bon ? Je suis tout humide.
Mais moi aussi, je me sens tout mouillé. Profitez bien de ce stream où cela sent bon la testostérone. Ça, la virilité assumée. Ah oui. C'est putain, simple, c'est loin. Hein. Même un coyote, quand il nous renifle, il fait demi-tour. Tellement ouais. Ça sent fort la testostérone. Oh, c'est cool, on a une ville. On va pouvoir savoir si on rame sous la ville ou pas. Ah, c'est ça. Alors, est-ce qu'on a des routes par contre? Parce que la topologie n'est pas claire. Ah, si, là. Ouais, super chamoué, Franck. Hein. T'approches pas du PO, il s'agirait pas de faire popper tout ce qu'il y a dedans. Hein. Oui, enfin, je vois un 4,5, tu sais, quelque part. Oui, c'est vrai qu'on appelle la souffrance quelque part, mais est-ce qu'on a vraiment envie de l'appeler de suite? Non, on va attendre d'être armé. Non, on va attendre d'être à la horde. Alors, attends. Oh là là, mais c'est trop bien. On est cerné par les zombies, c'est vrai, oh là là. Ah, il y a un cochon, oh, un cochon là. Attends, j'en ai besoin. Ah, carrément. Non mais j'y vais, t'inquiète. Mais non mais, hey, mec, moi j'ai rien dit. Oh bah oui, oh bonjour, monsieur Discipline. Ouais, il décale sur les côtés, ce petit bâtard. Hein. Moi, je te vois abîmer le matériel, là. Quoi? J'entends, hein. T'es en train d'abîmer les tuyaux que je t'ai donnés. Bon, attention, il y a un gros. Ouais, je l'ai vu. Oh, bah, je me suis dit que c'était peut-être un touriste, hein, en même temps. Ouais, c'est ça. Ah, bah, il y en a deux, hein. Il y en a deux. On va leur péter la gueule. Ah, bah, il t'a trouvé. Il y en a un qui arrive derrière toi. Non, devant moi. Aïe, Jack. Bah oui, mais il faut que tu t'éloignes hein, quand je tape. Hein. Moi, je suis un assassin, moi. Je suis un tueur. Hein. Putain, mais il y en a partout. C'est un truc de fou. Oh là là, mais on peut pas bosser tranquillement. Hein, c'est fou, hein. Ah bah super. Nickel. Bon allez viens, on le fait le POI, comme ça on peut rendre la quête, et après on va pouvoir te voir builder. Oh, j'ai hâte de voir ça. Ah oui, oh bah ça va être une masterclass. C'est lancé. Hein. Je pense qu'il faut tous les tuer. Ouais. Oh. Ouh. Alors, y en a un à droite que je ne vois pas. Ah, t'es là. Ah, c'est génial ça m'était jamais arrivé auparavant. De quoi? Elle est restée coincée dans un espèce de petit sillon. Bon, je suppose qu'on fouille après. Ouais, vite fait. Bon, ah. Je vais fouiller par là. Salut Kevin. Bonjour. Calme-toi. Il y a quelqu'un ici? Bonjour monsieur. Putain, ce que je garde du foutre. La cuisine a l'air clear. Moi je suis dans le hangar, ou l'entrepôt. L'arrière-cuisine est clear et après on peut pas avancer. Alors une seconde, hein. Parce que j'ai trouvé un carton bien sympatoche. Et j'ai bien fait. Je suis en train de faire... Sortez les toilettes monsieur. Dis-moi que dans la base, on n'a pas laissé l'autre pneu. Non, parce qu'on a un deuxième pneu qui nous attend à la base. L'autre... Ah oui. Ah. C'est moi ou j'entends comme une espèce de... Ah. Attends, j'entends te battre. Oui, bah, il va péter la porte, hein, je vais le laisser faire. Et voilà, où là c'est ça. Oula, il y en a deux. Hein. Ok. Ah ouais. Ah, carrément. Doucement, une balle après l'autre. Il est mort? Ah bah c'est ça ou... Oui. Non mais t'as failli me tirer dessus. Mais t'es malade. Mais non, je t'ai pas failli tirer dessus. Regarde, ta vie est impeccable. Oui, ah bah entre impeccable et me chier dessus... Ah mais il venait dehors, il avait rien à voir avec toute cette histoire. Mais non. Oh, il y a du monde là. Je vois des points rouges un peu partout. Attends. Fais pas quoi, de bruit. Quoi? Oh merde, c'est un bûchard. Ah merde, j'ai plus de... Attends, j'ai une flèche là, il me reste une flèche. Elle fait un drôle de bruit ta flèche. Ouais, mais c'est un effet d'optique ça. Mm-hmm. Il est increvable lui. Je te laisse la mama. Ok. Mais pourquoi il va sur toi lui? Parce que je suis en train de taper la mama. Tu crois qu'ils avaient un lien de parenté? Non. Ne pose pas de questions, Jack. Il y a une caisse pour toi là, c'est une caisse de... Ouais c'est bon. Ouais. Derrière il y a une caisse de mécanique. Je te laisse la prendre. Caisse de mécanique. Par contre on a toujours pas trouvé de wrench. Hein.
Ça m'inquiète oui, un peu, hein. Alors, je suis un peu désespéré aussi, mais dis-toi que ça pourrait être pire. Mais t'es où ? Je suis là. Derrière... Mais t'es où ? Ah oui, t'es là, d'accord. Tiens, j'ai ça pour je toi. Je joue les filles de l'air, en fait. Ah, merci. Mais tu vas où ? J'entends du bruit dehors, donc je... Ah, voilà. Ben non, monsieur, regarde. Mais arrêtez de me faire monter, mais ça suffit ! Descends par là, qu'est-ce que tu fais ? Mais que fait cet homme ? Mais moi, je loot la partie qui est là. Bon, y a rien. D'accord. Bon, bah écoute, je fais les étagères en attendant. Hein. Vas-y. On se manie un peu le cul quand même parce que j'aimerais la rendre à Jen avant qu'on aille builder. Dis-toi qu'on prend, mais c'est vraiment pour la forme. Hein. Bah, let's go, hein. Ouais. Oh mon dieu, Jack. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es prêt? Vas-y. Mon fils. Venez donc voir. Oh, ça y est, tu l'as trouvé. Oh putain, t'es trop beau. N'est-elle pas magnifique? Regardez ça, père Franck est revenu. La Bible je des suis là, mon fils. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Comment vous sentez-vous, mon enfant? Planquer les enfants, mais oui. Attends, bouge pas. Faudrait qu'on rentre là, parce qu'on va être... On risque d'être un poil court. Bah surtout qu'on a les deux à rendre, donc ça serait con de passer à côté, quoi. Putain, en plus, c'est méga loin. Mais non... Oh, si, c'est méga loin. Ah si, c'est 1,5 km. Oui, non, mais c'est méga loin, ouais. Ouais, il faut qu'on se dépêche, mon Franck. Vous voyez l'intérêt de laisser les portes ouvertes? Eh oui, parce qu'une porte doit être ouverte ou bleue. Elle est bonne, hein? Ouverte ou bleue. Vous pouvez siffler, hein. Vous pouvez fabriquer des bottes furtives militaires. Je vais prendre peut-être... Je vais prendre de la pierre à pavé. On va prendre ça au sud. Oh, bien. Attends, je vais acheter des trucs. Mais j'ai trouvé des plans pour ma batte. Attends, bouge pas. C'est quoi ce truc? Ah, c'est le nouveau truc. Oh, sympa. Et je t'ai mis des belles bottes avec. Ah, merci. J'étais sûr que les bottes allaient tout là. Ah ouais, mais j'ai mon truc de farmer, alors du coup, j'en sais rien du tout. Endurance max, vitesse de course. Ah, vitesse de course. Par contre, mon fils... Oui. Une fois que j'aurai fini de préparer la base anti-horde, oui. Il faudra reprendre l'église de cette ville aux mains de ces hérétiques. C'est là ce que nous ferons à chaque fois que nous rentrerons dans une ville. Très bien. Chaque église sera libérée par notre main divine. Alors par notre main ou à coup de pied au cul. Hein. Quand il dit main, c'est pas forcément, techniquement, c'est pas forcément la main, quoi. Hein. Ne t'inquiète pas, Dieu nous guidera. Ça, il a intérêt à nous guider parce qu'on a tendance à se paumer. D'ailleurs, par exemple, là, vous voyez, tel que je le suis, je cherche l'endroit où on habite. Et si tu me laissais passer devant? Parce que moi, j'ai mon lit. Tu vois, non, j'ai envie de me fier à mon instinct, tu vois. Ah ouais, tu fais ça aux doigts mouillés, quoi. C'est ça. Encore une des nombreuses... Une quête. C'est normal, tu en as pris une, c'est ça? Oui, j'en ai pris une au sud, moi. T'en as pas pris, toi? Non, parce que comme je t'ai dit que je voulais crafter, je veux crafter. Oui, non, mais ça t'empêche pas de prendre une quête. Tu serais pas en train de m'engueuler, là? Si. Et eh ben quand tu m'engueules, d'accord, faut ouais. Savoir que ça me fait des trucs dans le ventre et ça me plaît pas parce que ça me rend nerveux. Et si ça me rend nerveux, je fais de la merde. D'accord. Ah donc c'est donc, si jamais tu fais quelque chose de merdique, c'est parce que t'es nerveux. Et par ta faute, bien sûr. Ah oui, j'avais oublié ce détail. Et eh ben est-ce que t'as mis la forge d'ailleurs? Oui, tu me l'as demandé, donc je l'ai posé. Ah tu parfait. Tu vois, moi je fais les choses. Il va falloir. Je vais gérer la prod et je vais surtout gérer le miam, le manger. Le miam? Oui, le miam. Ah oui, on a vraiment des viewers, c'est des enfants, quoi. Faut leur dire les miams. Alors, on va avoir du miam miam et du glou glou. Tu te rappelles? Oui. Je sais plus, il y en avait un sur ta chaîne qui avait été tellement outré que tu marques miam et glou glou. Moi je trouve ça c'est bien niveau mémotechnique. Bah écoute, moi j'ai trouvé ça super drôle en fait. Et lui, putain, tellement sérieux. Mais il y en a certains, vraiment le premier degré. Y a pas de drôle ou quoi que ce soit, moi j'ai trouvé ça surtout pratique en vrai. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y en a certains, le premier degré n'est pas simplement Un indice de température. Ouais, quoi, mais... dire, à un moment donné, Ouais, mais là le problème c'est plus les gens, si. On peut pas les aider quoi. Nous on peut rien faire à notre niveau. Hein. Ah bah à un certain niveau, non, vous êtes foutus, j'ai envie de vous dire. Ouais, on n'est pas qualifié pour traiter ce genre de cas. Hein. Vous êtes qualifié pour quoi au juste? Non mais c'est une façon de parler, quand on dit qualifié, c'est pas une science exacte non plus. Hein. Non mais c'est à vue de pif à un moment donné. Et tu dis un récolteur d'eau, t'es sûr? Ouais, il me semble collecteur. Ah, mais non, peut-être. C'est ramasseur. Pardon,
C'est un peu la même chose, hein. Oh putain, non. Qu'est-ce qu'il y a? Il en faut 100, j'en ai 92. Le polymère? Oh putain. Ah putain, un polymère près, madame Chombier. Est-ce que j'ai des points à distribuer? Ah peut-être, oui, j'en ai quand même. Ouais, ouais, ouais. J'ai, je peux prendre gardien de la paix. Je suis gardien de la paix, avant tout. Ouais. Avant tout. bah écoute, je vais me mettre à taffer. Le problème, c'est que je ne sais plus comment on fait. Bah t'es streamer, hein. Si tu savais travailler, ça se saurait, hein. Non, trop facile. Mec, franchement, en vrai... Non, non, tu m'as tellement dit, tu as vu. C'est pas possible. J'entends que ça tape, non? Oui, je suis en train de me faire agresser. Aïe! Bah, un cochon ou... J'entends un bruit de cochon, un peu. Ah non, non, c'est un Z. Ok. La pioche en fer, je ne sais toujours pas la faire, en fait. Ni la pelle, ah, hein. Ah, tu vas voir, hein. Ça va être trop drôle. Moi, je suis en train de te faire des outils de top qualité. Là, c'est la révolution, là. Tiens. Ok, regarde. Putain, ça a l'air bien. Bah, pour une fois que je fais pas de conneries, oui. Mais c'est parfait. Je suis sérieux. Tu es sérieux? Ça a l'air très bien, en tout cas. Tu te fous de ma gueule, hein, on est d'accord. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Je sens que tu es en train de te moquer de moi. Non. Je suis parfaitement serein. On n'avait pas fait une entrée ici? Oui, là. Ça ira plus vite. Par contre, est-ce que tu veux que je solidifie comme un gros chien ou juste en bois ça suffira? Comment? Est-ce que tu veux que je solidifie comme un chien ou juste en bois ça suffira? Non, non, pierre à pavé, hein, pierre à pavé. Hein. Ah carrément, on part sur de la pierre à pavé. Franck, on est deux, voilà. Enfin, j'ai pas non plus de négliger notre sécurité. Tu as augmenté le nombre de zombies? Non. Jack, ne me mens pas, je n'aime pas quand tu mens. C'est pas bien de je mentir. Je n'ai pas augmenté le nombre de zombies, Franck. Le nombre est toujours le même. D'accord, donc t'as augmenté le nombre de zombies. Tu aurais mais pu me le dire. On ne peut pas augmenter plus, Franck. Dis, est-ce que tu pourrais me donner un coup de main? Est-ce que t'as pris les outils que je t'ai donnés? De niveau 2? Oui, pourquoi? Non, pas de niveau 2, je t'ai donné des outils niveau 5. Ils étaient par terre ici. Non. Voilà, bah ils ont des pops. Tiens. Là, je les pose, regarde, Franck. Oui. Ramasse-le, je vais pas en faire 50. Hein. Oh, ça va. Une en pierre, c'est bon, ça devrait aller. Oh, ben voilà. Ça mais a non, y mais là, je chasse, ça n'a rien à voir. Putain, j'ai oublié de poser le collecteur. C'est ça que je cherchais à faire, je me souvenais plus. Et ça tire, ça gaspille des balles. Ah, comme on a une personne... De type un peu vénère. Ouais, de type un peu vénère. Madame, revenez ici. Mais moi, je suis occupé, là, mon vieux. Moi, je suis pas là pour... C'est bon, non, mais c'est quand t'as construit, ça a fait du bruit. Je pense que c'est ça qui l'a attiré. Oh bah oui. Excuse-moi de construire des trucs pour nous, quoi. Ouais, bah c'est peut-être d'être un petit peu plus silencieux. Hein. Oui, alors quand je vois tout le boulot que j'ai à faire, alors excuse-moi, hein, excuse me, monsieur Jack Play, hein. Alors au lieu de me prendre la quiche, tu devrais peut-être me donner un coup de main. Sinon, vous aimez ce gameplay où je casse de la dalle? Non, parce que c'est à 5000 points la dalle. Je veux dire, il faut vraiment que vous profitiez pleinement du truc.